Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer des marqueurs sur Edison. Donc là, on fait clic gauche sur une zone, double clic gauche, et on fait M. Donc la touche M. Et après, vous mettez le nom que vous voulez. Et donc là, vous avez un marqueur. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres sujets de vidéo. Et au revoir.